On va tellement finir en game over. Oui, oh ça. En vrai, moi, si on récupère mon port et que je repasse en positif, il y a moyen après. Et on a deux tours. Mais il pleut encore. Il pleut, bergère. Ouais. Vous voulez quoi, les lancer encore? Comme vous voulez, allez. Ouais. Prenez les lanciers. Allez. Ils sont tous à droite. Ils vont attaquer ensemble. Il n'y a pas de porte. Ils sont chiantes les portes là où elles sont placées. Je vais me mettre au bord de cette porte là, prêt à descendre. Vous venez pas par là, il n'y a pas d'archer, donc attendez-les là où ils vont arriver. Pour les empêcher au moins de prendre la tour d'archerie. Ah mais non, c'est par là qu'ils vont arriver en fait. J'ai rien dit, je croyais qu'ils arrivaient de l'autre côté. Non, ils arrivent tous en face. Augmenter la vitesse peut-être. Ouais, le temps qu'ils arrivent. Ils prennent bien leur temps, hein. Ils viennent en confiance, ils s'en foutent. Mettez okay, vitesse normale. Oui. Ah, il tente un petit contournement sur la droite. Un petit contournement sur la gauche aussi. Putain, mais mes mecs se foutent là-bas comme des guéclins. Ils sont en train de se bloquer comme des vieux culs à la porte alors que c'est pas ce que je leur demande. Putain, tout ce qu'il y a... C'est affreux tout ce qu'il y a à la porte. Mais oui, mais c'est parce que c'est gros con. Moi, j'avais dit de garder le mur. Et ils sont tous foutus à la porte. Et du coup, en fait, t'as la moitié des unités qui foutent rien parce qu'elles attendent derrière.
c'est n'importe quoi. Les unités, elles font ce qu'elles veulent, quoi. Tu leur dis de faire un truc, elles le font pas. C'est chiant. Ouais, il m'en reste plus de 20. Oh, j'en ai tué une bonne centaine ici. C'est fini pour moi. Il me reste un mec. Il tient tout seul là. 3, 2. Putain, il tue des gens quand même. 1. Il est fort le gars. Par contre, faudra m'expliquer pourquoi est-ce que le mec il a une lance mais il se sert de son katana par contre. Est-ce que l'utilité de ça. Putain, mais le mec il tient tout seul, que c'est chaud. Ah, ça y est, quand même. Il a tué quelques mecs quand même avant de crever. Hein. Oui, bah on a plus de troupes. Monsieur Toto. Les bateaux. Je vous entends plus, je crois. Confirme, j'entends plus. Oh. Là, c'est bon. C'est quoi les bateaux? Les bateaux. Non, ouais, c'est vraiment gay que j'ai. Le signal sonore il marche pas très bien ce soir quand j'ai. Le micro fonctionne plus. Hein. J'attaque directement là le port? Enfin les Oda? Je pense. Normalement, je crois que je suis suffisamment proche pour faire renfort. J'espère. Sinon, je me replierai. Mmh. Ouais, c'est bon, je suis en renfort. Est-ce qu'on le fait en auto ou pas? On est à 397 versus 407. Plus 259. Plus 259. Voir en auto. Ouais. On en a capturé 9. Et ils en ont tué. Voilà, fuck you! Ah. Ah, maintenant je suis passé de moins 2000 à moins 129, c'est mieux déjà. Et maintenant il faut niquer les autres bateaux jaunes qu'il y a sur la trade route au-dessus là. Mais le problème, ouais, c'est qu'ils sont beaucoup. Ils sont énormément en fait. Cela dit, ouais, vous avez obtenu des petits bateaux en plus. Mais... Ouais, j'ai des petits trucs. J'en avais 4 en plus. Et après, vous avez des bateaux qui sont un peu abîmés aussi. Oui. Mais ouais, parce que tant qu'ils me bloquent, je pourrais pas passer en positif. Donc faites pareil, approchez-vous au max du bateau jaune le plus près.
Bah là, je peux les attaquer direct, en fait, je crois. Ouais, mais non, parce que faut que je sois en renfort, donc on va faire la même chose, mais inversement, c'est-à-dire que c'est moi qui vais l'aggro le prochain tour. Donc je me mets le plus près En possible. bordure. En fait, quand vous cliquez sur lui, vous voyez, il a son cercle rouge autour là. Ouais. Et En vous vous bordure, ouais. mettez le plus près que vous pouvez avec vos deux navires. Je sais pas si... Non, là, vous êtes... Vous pouvez probablement aller un peu plus près que ça, je pense. Après, non, c'est le cercle. Non, mais c'est... Tant que vous n'avez pas une croix rouge, vous pouvez le faire, en fait. Ouais, mais là, je peux pas, là. Parce que chez moi, là, je vous vois aucun morceau de bateau dans le truc, alors que moi, tout à l'heure, j'avais un petit bout de bateau. Enfin, bon, Ouais, si, c'est archi facile. il a l'air d'y avoir un poil de cul, mais après, je sais pas si c'est vraiment intéressant de s'approcher à ce point-là, quand même. Si, parce que je pense que ça peut... Voilà, là, c'est bon. Là, vous êtes dans le cercle. Même chose là, c'est bon. Comme ça, à mon tour, normalement, je peux l'attaquer. On va lui niquer sa mère. Et ainsi de suite, on pourra lui saucer du coup celui d'après aussi. Et ensuite récupérer votre corps. Et à un moment, faudrait que... Qu'on emmène des bateaux pour aller raid leur port à eux. Pour Alors par éviter qu'ils continuent. contre, ayant du fric, un petit peu de fric, je vais pouvoir commencer à réparer mes provinces pour éviter d'autres rébellions. Quand vous avez dit ça, j'ai entendu un... J'ai l'impression que j'entends ce que vous faites, parce que j'ai eu genre un mec qui a fait une scie. Ouais, j'ai cliqué sur le truc qui a fait une scie, ouais. Ouais, j'ai entendu le son. C'est gay. Ça sert à rien de le réparer parce qu'ils vont me le prendre. Surtout que j'ai plus d'unités dans la partie sud, quoi. Oh, la guinness. Bon, faut que que je reprenne au moins Izumo. Ah, il y a les Atano qui sont au taquet en plus pour essayer de me prendre Izumo, là. Donc, faut y aller tout de suite. Quatre-cent-soixante-treize contre 1340. Ça devrait le faire. J'espère. Ça devrait le faire. En auto. Bah je pense. Je pense, je pense. On tient un siège, on n'y arrivera pas. Ouais. Devant vous, niquez. C'est bon. Hop, je répare direct. Comme ça, ils viendront plus m'emmerder normalement. J'espère. Après, je peux pas tout réparer non plus. Parce qu'il y a des choses à réparer aussi là. 640. Moi, je vais me faire reprendre Bungo, j'ai des Christian rebelles et des Otomo au même endroit, quoi. Gros bordel. J'espère que ça va Du coup, aller les ici. Kikawa, c'est vos vassaux. Oui. Bravo. Normalement, il me verse un tribut mensuel. Ce qui va m'aider un petit peu. Compliqué. Je vais clairement me faire prendre Bichu.
Bichou. Et bon, faudra que j'essaie de reprendre Bizen quand ce sera possible. Je vais envoyer mon unité au sud, mais... Ah, puis il y a des rebelles ici aussi. Eh oui. Super. Quel bordel. Buzen, Montingen Rest. Tsukushi, Montingen Rest. Sigomari est mort. J'ai récupéré mon agent à la capitale. Les Hamako n'existent plus. Les Hamako existent. Ils savent pas trop. Ils n'existent plus, ils existent. C'est gay. Je vous entends. Whist. C'est bon. Ouais, allez, j'ai vu le bateaux. Bug. Hein. Four bateau, four. Ouais, c'est bon, on les nique. Auto. Ah, je suis en positif à 92. Pas. Je vais peut-être pas me rapprocher des autres bateaux parce que je vais rester là. Comme ça, s'ils attaquent, ils pousseraient en renfort dessus. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. T'as Buzen. Pourquoi je peux pas rentrer dans Buzen? Oh, y a pas assez de place, quoi. Ah, j'avais pas vu que Jack Lyon avait dit ça. Je vais clairement perdre Bungo, hein, c'est obligé. Bungo, pas le dos. Ah, il est là le bateau européen. Oh putain. 24 canons et 333. Ouais, autant dire que c'est imprenable ça.
Il a avancé, cet enculé. Mais cela dit, vu qu'il a avancé vachement loin, maintenant je suis à positif 3000 au prochain tour. Oh putain, ouais, je suis remonté à 1400. Moi. Bah oui, non, mais c'est parce que je vous dis, c'est vraiment, en fait, faut vraiment qu'on protège ce nœud commercial là, parce que c'est là que tout notre argent est. Mmh. Et comme on a un lien commercial entre nous, si vous voulez, comme c'est moi qui rapporte le plus d'argent, ça se transmet pour vous. Ils veulent quoi, les Takeda là? Alors en fait, c'est les Atano qui sont attaqués par les Takeda. Et du coup, comme je suis en alliance avec les Atano, je pourrais aller les aider, mais je peux choisir ne pas les aider. Les aider pas, ouais, parce que là. Ouais, je pense que c'est une mauvaise idée. Donc je dois rompre l'alliance. Mais ouais. De toute façon, les Atano, c'est plus rien. Mm. Mais ça fait un peu chier. Les Otomo qui continuent à se ramener, hop là. Nagato. Mais ils peuvent pas s'occuper des rebelles au lieu de me faire chier moi. Non. Ah tiens, ils sont partis par là. Du coup, ils vont aller chercher Tsukushi directement les Otomo. Ah, les Otomo veulent faire la paix encore. Moi, ils veulent pas, curieusement. Mmh. Ils ont deux unités d'archers. Ça passera pas avec leurs unités d'archers, ils en ont deux en plus. Non, laissez tomber. J'avais réussi à leur en tuer 5. Ah ça y est, c'est Bungo qui se fait attaquer par les chrétiens. Ils sont mis 720, vous êtes 620. Bah ça se tente hein. Vous pouvez leur faire des dégâts, peut-être. Ils ont deux unités d'archers, après c'est que des lanciers. Ça se tente. J'imagine que vous pouvez tenter quelque chose. C'est gay, Sigomar. C'est toi qui es gay. Non, c'est toi qui es gay. C'est toi qui es gay. Avec tes points d'exclamation, join. Croustillé, ça va? Bataille de Funai. Oula, j'ai eu peur de la fin de cette phrase au début. C'est moi, t'as fait. Ouais, mais elle a quelle forme cette forte fesse là? J'avoue qu'elle est un peu bizarre. Il y a plusieurs segments en fait. Ouais, il y a quatre fortes fesses en une seule. Remarquez, si vous êtes au milieu, ça fait quand même une belle protection. Mais bon, vu le nombre d'unités qu'on est, je sais pas si ça changera grand chose. Bah, on a des archers, nous. On a des archers, nous. Au moins. Et eux, ils en ont deux. Ouais, dingue, for other players, tu finis choix dingue. Alors. Et on a. Et il pleut pas, et on a deux trucs d'archer, deux tours. Après, je sais pas de quel côté ils vont arriver, ces cons-là. Ah, en vrai, ce château, pour la défense, il est pas mal. Hein. On n'a pas trop de beaux moyens quand même pour défendre, mais voilà. Je vous donne les deux troupes sur le devant. Katana et lancier, là. Ouais. Ouais. Pas trop par où ils vont arriver, par contre, c'est ça le problème.
Eh bien... En fait, le problème de cette forteresse, c'est pour déplacer nos troupes dessus, c'est chiant. C'est sûr. C'est pour ça que si on avait plus de troupes au départ, au moins, on serait moins emmerdé. Bon, je vais mettre mes archers là. Oula, c'est quoi ces gens qui jettent leur bière à 3h du matin là? Ah, c'est ça qu'on entend? Ouais, ça c'est la voisine toute jeune là, la nouvelle. Envoie les lanciers, je vais les mettre ici. Envoie-lui des japions. Le mec qui lui envoie des avions en papier par la fenêtre. C'est ça. Ah, ils sont là-bas. Mais il n'y a qu'une troupe là. What the fuck? Ah non, ils sont dans la forêt, du coup on les voit pas. Ouais, c'est ça. Et ils grimpent dans la forêt. Ah, il y en a un en haut aussi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bon, c'est tout à l'ouest en tout cas. Ouais, mais du coup, j'ai complètement pas placé mes. Saucisse. Mes archers du bon côté, je crois. Ah, si, ils sont du bon côté. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en hauteur, monsieur ou... Ouais, je pense que c'est. Plus sage. Alors, faut que je fasse gaffe, ouais, je vais me mettre assez loin. Le problème, c'est leurs archers, quoi. Oui. Pas trop comment les niquer. Alors, attendez, ils sont où? Là, c'est que des lanciers. Et de ce côté-là, j'imagine qu'il y a les archers. Si je descends, là, on voit plus, là, avec la forêt. Je sais pas où je pourrais les niquer. Ils sont où leurs archers? Putain, mais elle est gaie de tout sortir à cette heure-ci. Elle se dit pas qu'il y a des voisins qui dorment. Bah, je pense qu'elle le fait exprès parce qu'on peut pas sortir 500 bouteilles d'un coup, il y a un problème. Non, bah elle a peut-être moi, une petite soirée, mais c'est. Ah, si, on entend ding 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 ding. C'est bouteille. Moi, je les entends pas, moi. Ouais, mais toi, t'as des problèmes d'audition. Alors, je pense qu'elle le fait pas exprès, mais qu'elle est peut-être bourrée et du coup, elle fait pas gaffe. Ils sont où les archers? Ils sont là. Archer, ici. Ah oui, là. 1, 2, c'est les deux devant là. Remarque. Peut-être que t'as raison qu'elle le fait exprès. Parce que ça se trouve, la voisine là, qui m'a cassé les burnes de temps en temps, elle lui a cassé les burnes à elle aussi. Tadam. Et du coup, c'est une vengeance. C'est ça. Tout est lié. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les archers de la tour là qui tirent. Ils perdent pas mal de soldats. Enfin, pas mal. Ah. Putain, en plus, c'est des rebelles chrétiens. Hein. C'est ça le problème. Catholique de cul. Catholique de lic. Ah, vos archers, là, ils sont prêts. Quasiment. Ça y est, ça tire. Ils ont récupéré la tour d'archer, par contre. Ouais, ça c'était obligé. L'ennemi a pris une tour. Ça va être un problème. S'ils nous tirent dessus avec, ça va être chiant. Oula. Il y a des robots chez Sigomar là. Il n'y a pas de robots. C'est qui, c'est R109 ou quoi? Non, pas de problème. J'ai tout entendu hein. Ouais, ils vont grimper par là. Ils grimpent par là, faut les arrêter. C'est un tout petit groupe de merde, mais...
Putain, mais faites ce que je vous dis. Surtout quoi. Archer de merde, quoi. Allez, attaquez-la. Courez-vous, bougez-vous le fion. Mais pourquoi ils se rapprochent, ces cons? Mais tirez-leur dessus! Mais c'est pas possible, pourquoi ils... Oh là là, mais ils sont autistes. Notre général court un grave danger, monseigneur! Mais arrêtez, putain, ils foutent rien! Et je pense aussi que ce que disait Draren par rapport à Total War Shogun l'autre fois, comme quoi les unités elles étaient en mode galère, ça allez, se confirme assez. On prend des volets de flèches dans le cul, putain. Ah, ils arrivent à nous tirer dessus d'ici. Il veut peut-être dire ça, ouais. C'est vrai que les unités elles sont gays des fois. Non mais là, mes archers, ils sont autistes, quoi. Ils font rien. Ils restent sur place. Tadam. Mais putain, je vous dis d'attaquer, arrêtez. Pourquoi vous vous mettez sur le côté? Vous foutez rien. Ouais. Ils sont complètement cons, ces archers. C'est dingue. Oh putain, les volets quoi. Fouah. Mais putain. Non mais il y a deux archers qui tirent sur 69 quoi. Et les mecs qui sont arrivés derrière là, ils sortent d'où ces cons là. Ouais bon allez, les archers vont crever parce qu'ils sont trop cons. Mais arrêtez de bugger! Il n'y a plus d'espoir, monseigneur. La bataille est bientôt terminée. Non mais c'est l'autisme pur et dur là. L'autisme fulgurant. De rien. Je leur dis d'attaquer, ils font sur place. Bah voilà, allez, fuyez, bande de cul. Fuit quoi, vieille merde. Insupportable. On vous entend plus, monsieur. C'est vrai. Je me disais, on était bien. C'est gay. Oui. Parce qu'à chaque fois, je sais pas combien de temps je parle dans le vide. Oh là, 2-3 bonnes minutes, ouais. Non, parce que je disais des choses pendant la bataille, mais... Je sais pas si vous m'avez entendu parler pendant la bataille, du coup. Non. Les bateaux... Non, là on peut... bloqué plus haut. Donc là faut qu'on reste par là avec les bateaux en fait. Ouais. Juste vos bateaux, si vous avez des réparations à faire, faites-les maintenant. Ouais, j'en ai. Oui, et
pas les moyens. Je suis trop pauvre. Ah bah oui, forcément. Maintenant c'est Uchi ça. Ça me donne envie de chier tout ça. C'est vrai. Non. Bah si. C'est vrai, on vient de dire. Bonsoir Fabrice. Si, si Gomar. Putain. Du calme enfin. Ouais, du calme hein. Donc je disais bonsoir Fabrice. Suisse. Putain bah voilà, Jack Lyon il fait point d'exclamation join aussi maintenant. Mais oui, t'as... mais Jack Lyon. T'as tout gagné Sigomar, t'as tout gagné. Pensez ah là, non, que vous avez un peu de sous monsieur à faire des trade chips après putain. Là de toute évidence j'ai pas gagné. Oula, un peu de sous, vous êtes gentil monsieur. Attendez, j'ai peut-être même des trade chips quelque part qui me servent plus que je peux vous refourguer. Oh putain. Non, bah voir, bien. J'en ai bien, bien. J'en ai 4. J'en ai 4 mais ils sont loin, je vous les donnerai plus tard. Je vais les rapprocher demain. Là je peux même pas faire mes réparations, ça fait chier. Donc moi, ça se trouve... Je suis remonté à 2006 et le prochain tour j'ai 2006 qui reviennent. Si j'ai pas encore un connard qui vient me raid. Ça se trouve ils vont encore se rebeller à Izumo et ça va être infini jusqu'à ce que j'ai plus les moyens de me défendre parce que mes troupes vont diminuer petit à petit. Oula, y a pas de robot. Oula. Oula. Chrony, il fait des choses là. Ça s'appelle des réparations. Qu'est quoi? Bon, bah, j'imagine que je peux rien faire de plus de toute façon. À part me suicider éventuellement. La dépression. Perdu, bungo. Trade bingo. Disrupted. Poilodo. Ah, je peux plus trade avec vous apparemment. Allez, comment ça se fait? Est-ce que vous avez perdu quelque chose qui m'empêche de le faire? Rebellion à Tsukushi. Oh. J'ai tout perdu de toute façon, c'est la fin des Mori. J'ai une nouvelle mission. Faut que je bribe des armes, une ennemie armée. C'est la fin des Mori. Voilà. En plus, Jack Lyon se fout de ma gueule. Ça, Jack. Nouveau. Il a dit lol. Victoire décisive contre les Mori. Non, c'est une bataille qui me concerne pas. Malheureusement.
pauvre Motonari. Mori. Non, merci. D'ailleurs, avec tous les bugs que j'ai, ça se trouve, il y a un gros décalage et personne ne l'a dit, ce serait pas étonnant. Ah, ça m'étonnerait pas. Ça serait marrant d'ailleurs. Marrant, je sais pas. Non, ça a l'air d'aller, il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage. Étonnamment. Malheureusement. Wow. Ah, dis pas malheureusement. Malheureusement. Des sessions foutues en l'air comme ça. Ah, mais ça, c'est ce qu'on aime, ça. Wow. M ou en, ça marche pas. Auto. Sucé. Ils sont bizarres hein, mes bugs de micro quand même ce soir. La façon dont moi, ils bug en fait. Gays, mais... Moi aussi. C'est bizarre, parce que ça fait pas comme d'habitude. Il y a plein de trucs qui sont pas comme d'habitude. C'est le début de la fin, c'est pour ça. Voilà. C'est le début de l'été, la chaleur arrive, t'es perturbé. Bravo Jack Lyon. Bravo aussi comme qui est quoi? Jack Lyon et Sigomar, c'est la même chose maintenant. Tiens, une petite compensation. Je peux avoir une alliance avec les Ojo. Ah! Ils peuvent nous join war contre les Oda, ils sont d'accord. Ah! Une alliance, un trade agreement, et eux ils font la même chose et ils rejoignent la guerre contre les Oda. Bah, peut-être pas faire game over alors. Si. Ce n'est que partie remise. Il est d'accord. Il a accepté. Il est dans la guerre. Exactement. Tu t'es un petit peu fait niquer, Fabrice, pour le coup. Fabrice, champ, con. Complètement con. Si, c'est vrai. Putain, le trade agreement avec eux, ça m'a fait passer à 4300 de... d'amitié. Au prochain tour. Ah. Je sais pas si je pourrais faire une alliance aussi avec eux, faudrait que je regarde. Bah, en fait, pour l'instant, je pense que vous pourrez pas... À cause du fait que déjà on peut pas faire de trade agreement entre nous. Parce qu'à mon avis, il faut que vous récupériez quelque peut-être chose Nagato. Que vous avez perdu. En fait, je pense que comme vous avez perdu Aki, c'était votre capitale à la base. Aki, ouais. Comme vous l'avez perdu, en fait, vous avez changé de capitale probablement. Et je sais pas laquelle c'est du coup, actuellement. Mais il faut que vous ayez un port de trade. Et actuellement, vous avez juste un arbor à Suo. Un military port à Uchi. Je dois avoir un port de commerce à... Non. À Izumo, normalement. Izumo,
Au nord. C'est loin. Ouais, vous avez un trading port ici, mais je pense que ça c'est considéré comme étant trop loin et pas assez rentable. Faut vraiment que vous gardiez à qui en fait. Ouais, bah ouais. On va essayer, hein. Ça suffit les robots là. Y'a pas de robots. Si, si, j'ai entendu tes robots de cul là. J'ai entendu R100, R109 ou R110 ou. Pas de robots. R6. Ou. Gretel. Oui. Bon, moins rigoler les Oda là. Maintenant qu'on a les Ojo dans la danse. Anse. Ces Otomo et leur Metsuke de cul. C'est un pirate de merde. Retraite. Retraite. Et voilà, ça y est, ça se rebelle à Izumo, je le savais. Merci Izumo. C'est ingérable. Abandonnez Izumo, monsieur. Il y a des salopes à Izumo, ça sert à rien. Je vais aller à qui. Ah putain. Ah, mais on est en infériorité numérique là. Ah merde, oui, c'est vrai ça. Cela dit, d'après la jauge de morale, je considère qu'on est en un avantage, sûrement parce que vous avez 4 commandants. Donc ça peut passer peut-être en auto. Pour le moment, j'ai mis auto, mais. J'espère que ça va passer. Pyrrhic Victory. Victoire très coûteuse. Un fils est né, tiens, j'avais pas vu. Regardez si vous pouvez me refaire le trade avec moi, du coup, maintenant que vous avez récupéré. Ouais. Moritoi Mitsu. Chosokabe, inamical. Ah bon? Ah bon? Que vos mots flottent sur la brise. La Guinness, ah oui, vous aussi vous êtes un friendly. Alors qu'on est censé être allié, c'est ridicule. Ouais, un peu. Je peux pas faire d'accord commercial. Votre intégrité est questionnable, apparemment. Moi, ça, je le savais. Ah, mais ça doit être toutes les faillites que je me suis bouffé. Hein. Ça, à chaque fois, ça a entaché mon honneur. La vieillesse de Motonari. Je vous ai entendu. Bon, faut que mon armée se repose un peu avant de réattaquer les autres rebelles, là, sinon c'est pas possible. Izumo, bah j'essaierai de le reprendre plus tard, mais. Comment on fait pour construire des putains. Ah, ok. Faut que j'augmente ça et ensuite je peux faire ça.
Je vois bien les Kikawa essayer de profiter de la situation quand même. Moi aussi. Après les Kikawa, il y a les Atano entre les deux. Bien essayé Fabrice. Qu'il a Non, fait encore. pas bien essayé Fabrice. C'est une fois toutes les demi-heures et t'as fait point d'exclamation style Chrony, sauf que son pseudo c'est Marobos. Donc t'as style dans le vide et t'as gâché ton style en fait. Ah parfait. Alors, J'ai un sac à merde. Benko YouTube. Ah le mec qui va tenter du coup. Total War Shogun 2 avec Chrony, voilà. Hop. Le mec qui va tenter. Alors, Flipcoin 270 pour commencer. Ah mais putain, c'est pas le bon compte. Qui est quoi? Ah ouais, c'est quoi Attends. ce Ichrony I quoi? C'est le compte que j'ai sur Chrome et comme j'ai Chrome d'ouvert actuellement. Gay quoi. Donc je vais Ichrony I. revenir Grand homme ça. sur le bon compte. Qu'est-ce que je peux faire de plus avec la situation actuelle? Pas grand-chose, j'imagine. Chier. Je pourrais éventuellement essayer de recruter une armée. Total War Shogun 2 avec Fanny. En sachant qu'ici j'ai quoi? Ouais, je vais faire une petite armée d'archers au cas où il y aurait des couilles de rébellion encore. Voilà. Bitcoin 270. Je vais Voilà. regarder quand même avec les autres gens. Et ensuite, Fabrice Vous êtes un honnête homme devant Johnson vos portes. N. Il vaut mieux ceci Gieklarn. qu'un Je assassin qui a bondi suis le droit de son vrai tag. par-dessus Oh putain. Non, tu m'as juste rappelé qu'il fallait que je le fasse en fait, Fabrice, c'est pas pareil. De toute façon, tu vois, t'as gagné des piécettes de toute façon. Ce qu'il en restait. Ouais, il en a pas mal, ma robosse. Pas mal, c'est vite dit. Pas mal. Il y a quand même bien pire que vous. Voilà, sur ce, je referme d'ailleurs. Sur ce, tu fermes le PC. Pensez à réparer vos bateaux, monsieur. J'ai pas les sous. Et c'est pas ma priorité de toute façon. Il faut que je répare mes provinces avant. Ah, a worthy bride. A loyal retainer offers his daughter's hand in mariage. Ah bah voilà, vous allez pouvoir pécho. Kuwana. Kuwana Akara et c'est une beautiful wife. J'accepte. Voilà. Moto Chika, il va être en pelle pingas. Ah bah tu peux essayer Fabrice. Là pour le coup, t'as gagné du fric en plus. Il va essayer un flip-coin. Non, de réessayer de voler Chrony à nouveau. Ça sert à rien. Le timer. C'est toujours là. Oui, non, mais quand le timer sera pas. Oui. C'est ça. C'est vraiment toi. Hein. Ah, Jack Lyon, il a compris que vous vous mariez, donc là, il est parti. Là. Pour le sexe, le sexe. Du coup, monsieur, à qui? Regardez. Qu'est-ce qu'il y a à qui? Hop. Vous avez 4 vaisseaux de trade avec. 1 2 Ça? Ah oui, merci. Je viens de vous les donner. C'est bien aimable. J'irai les envoyer là-bas.